L'Europe à laquelle j'aspire, c'est une Europe dans laquelle on aurait en fait 1000 Liechtenstein, c'est-à-dire une concurrence institutionnelle entre les différents États, entre les différentes villes, qui chacune essaierait d'attirer les meilleurs talents pour offrir un système institutionnel optimal à l'ensemble des citoyens. L'idée, c'est de mettre la question de la subsidiarité au niveau le plus local possible, d'avoir une souveraineté qui repose d'abord sur l'individu, qu'on reconnaisse la légitimité de la souveraineté individuelle, qui ensuite s'agrège éventuellement pour constituer des États plus grands. Mais c'est d'abord la souveraineté individuelle qui doit être au cœur du projet. S'il doit y avoir un projet européen, c'est celui de faire respecter les libertés individuelles. Donc dans le cadre de l'Union européenne actuelle, je pense que ce qui est important, c'est de préserver les libertés économiques et surtout pas d'essayer de reconstituer un nouveau Léviathan qui serait une négation de nos libertés individuelles. Ma vision de l'Europe, c'est que nous, en tant que citoyens européens et acteurs de la société civile, des institutions publiques et privées, nous devons saisir l'opportunité de changer l'Europe, la réformer pour qu'elle puisse mieux nous servir. Cela concerne plusieurs domaines politiques. Ça va par exemple de la politique de défense et de sécurité, en passant par les finances publiques, le marché unique et aussi les libertés individuelles, c'est-à-dire par exemple la protection de l'état de droit, puisque nous sommes dans une union des 28, ou bientôt 27, plutôt une unité hétérogène avec des courants très très différents. Mon message est tel que, en tant que seul membre ou seul acteur, nous ne pouvons pas aller très loin. C'est pourquoi nous devons agir et travailler ensemble pour ainsi réformer ensemble l'Union européenne. Ma vision de l'Europe, c'est une Europe respectueuse des libertés individuelles, bien évidemment. Une Europe qui favorise l'intégration économique, c'est-à-dire l'épanouissement du commerce international sans lequel la prospérité des civilisations n'est pas possible. Et une Europe respectueuse de la subsidiarité, c'est-à-dire de la décentralisation. Une Europe respectueuse de l'autonomie politique des peuples qui la composent. Autonomie politique d'un côté et intégration économique de l'autre sont, à mon avis, les deux piliers qui nous conduiront vers une Europe prospère. Voilà. L'Europe est une fantastique idée qui a été dévoyée, dont on a perdu l'âme d'origine. Je suis très attaché à l'idée du couple franco-allemand, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que la France a un rôle particulier à jouer dans le développement d'une Europe du Sud, un axe Paris, Madrid, Lisbonne, Rome, qui puisse donner un second souffle à la construction européenne, en plus de l'axe franco-allemand qui est absolument essentiel. Oui à l'axe franco-allemand, mais oui aussi à un axe Paris-Rome, Paris-Madrid, Paris-Lisbonne. Alors l'Europe, je pense que c'est avant tout un projet fédérateur, c'est-à-dire que malgré les critiques qu'on peut apporter à la construction européenne, malgré les limites de son action, malgré parfois le mécontentement des citoyens européens, je pense que l'Europe reste un projet d'avenir, un projet qu'il faut construire avec nos partenaires en définissant un certain nombre de socles, de mesures à mettre en œuvre collectivement. Mais les défis sont immenses, défis environnementaux, défis sociétaux, défis culturels, défis économiques. Et pour répondre à ces défis, il faut rester solidaire, rester unis au sein de l'Union européenne. One of the projects that Americans for Tax Reform has around the world is working with other taxpayer groups like Contribuables Associés to try to share information, to share best practices, to find what we can learn from each other in order that we can continue to make progress for the taxpayers in our own countries. From the American perspective, I can say that we never would have been able to lower our taxes in 2017 like we would, in particular on corporations, which has been such a great point of growth for us this year. If it hadn't been for the example of Europe over the last 20 years in gradually lowering your taxation rates, and furthermore, if it hadn't been for Europe's example on territorial taxation, we never would have been able to do it in the United States. So today, I hope that the example of the United States with the Tax Cuts and Jobs Act of 2017 will also impel Europe to make fiscal reforms and to work on your own fiscal house in order to reduce taxes, to provide economic growth for Europeans. Ce que je souhaite, c'est que l'Europe soit un espace de liberté avant tout et qu'on évite cette tendance actuelle à renforcer les pouvoirs centraux de l'Europe, à vouloir que l'on impose dans tous les pays les mêmes politiques.
politiques, les mêmes fiscalités, etc. Ceci risquerait de créer des situations dangereuses dont on ne pourrait pas sortir. Il est important que chaque pays ait son indépendance. Ce qui est important en Europe, c'est une fois de plus le respect des libertés, de la liberté des échanges, mais aussi des libertés individuelles. Et on pourrait imaginer d'ailleurs que l'Europe joue un rôle de ce point de vue-là, par exemple du point de vue judiciaire, en trouvant des formules pour protéger de manière efficace les droits légitimes des individus. C'est très simple, une grande Suisse. La Suisse est un très bon exemple d'une fédération qui marche bien, dont le niveau de vie est très élevé, qui a de grandes différences entre ses différentes parties, trois religions, trois langues, etc. Et malgré ça, ça fonctionne très bien, elle est ouverte sur le monde. Et bien, il faut la même chose pour l'Europe. Et le moins de contraintes possibles, et le plus de votations aussi, le plus de votations à la Suisse, ce qu'on appelle en France le RIC maintenant. Je pense que l'Europe, si elle veut perdurer, oui. Et vous voulez dire par l'Europe, l'Union européenne, si elle veut perdurer, elle devra être beaucoup plus respectueuse de la diversité dans cette Europe. Elle doit abandonner son obsession pour l'harmonisation et pour l'uniformisation et la centralisation des décisions. Elle doit rapatrier vers les États-nations, les États-membres, pas mal de domaines et devenir elle-même beaucoup plus respectueuse de ce principe de subsidiarité. Que l'Europe devienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un pays où les gens se comprennent mutuellement et où les États ont le moins de poids possible. Hélas, on a créé un État européen à Bruxelles et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Je crois qu'il est important de se rappeler que dans les gènes de l'Europe, il y a la liberté et la diversité. Et vouloir construire une Europe comme un nouvel État centralisateur, c'est aller à contre-pied des sources de l'Europe, à contre-pied de sa nature propre, et c'est donc aller à l'échec. Il faut donc revenir à des choses simples. L'Europe est une alliance de souverains, d'États souverains, indépendants et libres, pour faire vivre leurs citoyens libres. Évitons une recentralisation qui ne serait jamais qu'un gâchis. Chaque fois que l'Europe a voulu devenir un empire, que ce soit au temps de Charlemagne ou au temps de Napoléon, pour ne prendre que quelques exemples, ce fut toujours un échec.